la glace. Ben justement, un bac, j'en ai réussi. Parfait! Puis de la glace, pourquoi faire? Pour ben voyons, Bob, on fait un spaghetti challenge ici. Hey Gab, t'as-tu déjà fait un club de devoir? Non. Non? Puis toi, Marco? Oui. Puis toi, Hello? Oui. Puis Marie, tu as-tu fait, toi? Ben oui. Puis Andréane, t'as-tu déjà fait un club de devoir? Oui. Oh, toi? Non. Non? Puis Nick, toi, t'as-tu fait un club de devoir? Non, mais je le regrette tous les jours. Mais c'est quoi le club de devoir? À 4h-20, on va chercher les jeunes à l'école Massé. C'est le fun de partir à 4h-20. Et pendant une heure, on les aide à faire leurs devoirs dans les classes en haut. Fait des bonnes actions. Puis on leur donne une collation comme des pommes, des oranges, des Rice Krispies. Puis des barres granola. Puis à 5h, leurs parents viennent les chercher puis on fait des bonnes actions. On voudrait mettre en nomination les responsables du théâtre social. Oh non! Ah. C'est quoi le thème du TS cette année, Philippe? C'est pas le même que l'année passée? C'est quoi le thème? 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 Hein? C'est quoi le thème cette année là? C'est quoi le thème? Vous avez le goût de vous impliquer un soir ou un midi par semaine afin de créer un show de 4 représentations avec une gang de malades? Vous serez regroupé avec un metteur en scène ou un ancien du collège et vous créerez votre propre pièce. Avec le TS, on se libère de la barrière de la créativité et on libère aussi les marches. Yeah! En nomination, les responsables... Faut que tu leur fasses, c'est trop vite, faut que tu t'attendes mon go. Go! On voudrait mettre en nomination les responsables du comité des oignons verts. Et alors, au potager des oignons verts, l'automne, on va récolter les plantes qu'on avait plantées l'année passée. On va préparer les semis pour l'hiver, on va les mettre dans la serre. L'hiver, il y a une pause de 2 à 3 mois. Après, en janvier, on va préparer les plantes qui étaient dans la serre pour les mettre dans le potager. Et avec Denis, on va préparer les. On va s'occuper des semis, puis on va récolter durant l'été. Neil, qu'est-ce que l'abeille fait dans le potager? Est-ce que vous savez, au Québec, il n'y a aucune école qui a de ruche pour récolter le miel. Saint-Alex, on va être la première école à faire ça. Fait que si ça vous intéresse, on va aller installer une ruche d'abeille sur le toit. On va récolter le miel, puis on va le manger. Ça va être bien, bien bon. On voudrait nommer le comité de campagne de financement. La campagne de financement, c'est 2 semaines durant l'année où c'est qu'on essaie d'amasser le plus d'argent possible. Wow, est-ce que je suis la seule fille dans ce comité-là? Le but là, cette année, là, c'est de battre le record de l'année passée puis de ramasser plus que 12 000 quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, il manque Audrey-Anne. Mais là, cette année, c'est sûr qu'on va battre le record. On va faire une vente de bonbons, un encas, puis on va même vendre des oranges, hein, Philippe? On va taper le 25 000 avec ça, c'est sûr. Donnez généreusement. Donc, on remercie pour l'Ice Bucket Challenge. On voudrait nominer les responsables de la coop. Prépare-toi. Yeah! À la coop cette année, on a besoin de 25 bénévoles pour s'occuper de la vente de popcorn et de slush pendant midi. Ça peut vous donner des unités pour votre carnet Joggy Gagnon. Aussi cette année, on a un nouveau concours, donc ramassez des cartes comme ça chez vous. Et si vous en avez 25, vous pouvez gagner un popcorn. Et si vous en avez 40, une slush. Avec tout ça, à la fin de l'année, on va pouvoir savoir il y aura plus de cartes de quelle sorte, que ce soit de basket, de hockey, de soccer ou de baseball. Puis même de curling si vous en avez. C'est vous qui choisirez. On nomine le comité des paillis de Noël. Hey, tu penses que c'est vraiment une bonne idée de mettre un élève dans le panier Noël? Mais Mehdi, qui c'est qui serait pas content de recevoir Alexandre Villemaire en cadeau pour Noël? Ça fait 30 ans ici au collège qu'on fait les paniers de Noël. Cette année, on invite toutes les classes du collège d'Alexandre à se rassembler pour donner généreusement pour une très bonne cause.
donnez généreusement. Salut, cette année il y a un nouveau projet. Ça va être un spectacle à la prison de Hull pour les détenus. C'est un petit peu comme un cadeau de Noël pour eux. C'est 12 élèves qui vont faire des numéros, ça va durer 1 h 15. Ça peut être des numéros musicaux, de comédie, ça peut être une petite pièce de théâtre si vous voulez, n'importe quoi d'artistique. On leur fait un petit cadeau de Noël. Écoutez, inscrivez-vous, on va faire ça en grand, ça va être beau. Okay, bonjour, nous on est le comité des selfies. Dans le fond, nous notre but c'est de capturer les moments du quotidien des élèves du collège tous les jours en ordre alphabétique. Fait que sur chaque photo on va mettre la date puis un événement qui est arrivé cette journée-là. On va tout envoyer au bibliothécaire puis à la fin de l'année on fait une grosse exposition. Donc on vous invite chaque matin à 9h11 à venir prendre une photo avec chaque élève de la liste. Donc on va faire une mosaïque à la fin de l'année. Selfie! On aimerait mettre en nomination le projet La nuit au collège de Claudine. Ah, c'est froid, c'est froid! Vous avez toujours rêvé de passer une nuit au collège? Cette année, c'est votre chance. Vous savez qu'ici, au collège, on a des pères spiritains. On vous offre cette année la chance de résider avec eux pour une nuit. Comment ça marcherait? C'est qu'à 4 heures, vous finiriez l'école, feriez vos devoirs comme si tout était normal, puis vous viendrez manger avec les spiritains. On vous aura attribué une chambre à l'étage où il réside, puis vous pourriez passer la nuit. Le lendemain matin, vous vous leveriez, vous iriez à la messe avec eux, puis vous reprendriez votre journée normale comme si vous alliez dormir. Vous voulez voir de quoi ça a l'air? On est maintenant à l'étage des spiritains, donc on va aller voir si notre premier pensionnaire a aimé son expérience. Ici. Donc, vous pourrez vous inscrire sur le projet Une nuit au collège. Donc, vous voulez faire du bénévolat, c'est simple. Vous pouvez aller simplement donner votre nom sur le site internet. Et nous, tout au long de l'année, on va vous donner des offres de bénévolat, comme pour faire dans des festivals, des événements, ou comme les portes ouvertes à l'école, le festival des Montgolfières. Ok, donc c'est vraiment simple faire du bénévolat. Vous avez juste à remplir une page ici en mettant le nombre d'heures et en faisant signer votre carnet par le responsable de l'activité. 25 heures de bénévolat donnent 2 crédits dans le carnet Jean-Guy Gagnon ainsi qu'au bulletin. Et où est-ce qu'on se procure ces carnets? Dans le bureau de BOM. Mais on en a aussi dans nos casiers. Ok, on voudrait mettre en nomination le comité de SOS Devoirs. SOS Devoir, c'est quoi? Ben, c'est tous les mardis soirs, on va avoir besoin de voler. Des gens académiquement forts qui vont aider d'autres gens qui ont plus de difficultés dans certaines matières comme mathématiques, sciences, français. Le tout supervisé par Guy Nadon. Donc, les élèves qui ont de la difficulté vont être jumelés avec des élèves qui en ont moins. Puis, ils vont faire leurs devoirs ensemble. Tout le monde est content, tout le monde gagne. Tout le monde finit leurs devoirs. Puis, c'est ça. SOS Devoirs, c'est pas mal cool, mais écoutez ça. Nouveau projet pour vous cette année, le projet pub. Donc, on vous jumelle avec un artiste chevronné, des gens qui sont soit atteints de déficience intellectuelle ou d'autisme. Donc, vous, ce que vous faites, faites une publicité pour divers événements qu'il y aura à Saint-Alex cette année, comme la soirée d'Alex, le théâtre social, des trucs comme ça. Inscrivez-vous, ça va être vraiment cool. Donc, dans le fond, le bye-bye, c'est notre dernière heure au secondaire. Donc, on chercherait des personnes de gangs différentes afin de créer une dernière heure qui serait... À notre image. Donc, on vous demande vraiment de vous inscrire parce que
C'est notre dernière heure au secondaire. C'est vraiment important. C'est pour clore le tout nos 5 belles années au Collège Saint-Alexandre. Donc, inscrivez-vous. OK, donc pour le voyage d'animation sociale 2015, c'est déjà complet. Mais vous pouvez nous suivre sur le site. Pour ce qui est de celui de 2016, il y a Yanis Camel qui s'en occupe. Il s'occupe du choix de la sélection pour les candidats et aussi du choix de la destination. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a seulement 14 participants. Inscrivez-vous maintenant et il va vous contacter. Cette année, possibilité de jumelage avec des écoles de Montréal. Avec l'école juive de Montréal. Avec une école musulmane de Montréal. Avec ce jumelage-là, on va pouvoir en apprendre beaucoup sur eux. C'est très intéressant. Inscrivez-vous. Le placard des oignons verts, c'est un placard magique et mystérieux. Vous avez perdu votre dictionnaire, une nouvelle grammaire en tableau, des livres et à noter en plus de ça. On a tout ici, servez-vous. Allô, moi c'est Maxime. Moi c'est Florence. Moi puis toi, on s'occupe du comité Cyclo Nord-Sud. En fait, on s'occupe de la du volet vélo de l'école. On vous invite le 22 septembre à venir à la marche ou en vélo à l'école, puis on va vous donner une collation. Puis aussi, on organise une autre activité qui consiste à ramasser des vélos pour les envoyer dans des pays en voie de développement. Puis on a besoin de beaucoup de bénévoles pour organiser ces activités-là, alors venez en grand nombre. Ouais, merci beaucoup. Merci. Nous, on est conseil étudiant, on a de l'argent, puis notre objectif cette année, c'est de bien l'utiliser. Ça veut dire plus d'activités. Plus de fun. Mais ça veut aussi dire qu'on a besoin de plus d'idées. Pour ça, vous allez dans le bureau de Bob, vous remplissez une petite feuille jaune, c'est pas bien compliqué, puis comme ça, nous, on peut utiliser vos idées. Wouhou! Hey, ça, c'est de la vraie argent? Oui, c'est de la vraie argent. On peut-tu la mettre pour la campagne de financement? Ben oui.